premier séjour que nous avons fait à Gordes, Jean de Gotax et moi, c'était en 1964, pardon, au Moulin de l'Euro, qui est une ancienne ferme en dehors du village, située dans un très bel endroit, où il y avait une vue splendide sur la plaine et sur le Luberon. Et nous y venions pour un séjour de convalescence et de repos, mais pas du tout de travail. Mais naturellement, au bout de quelques jours, Jean de Gotax commençait à s'ennuyer de ne rien faire, et il a cherché sur place avec quoi il pourrait travailler. Alors il a trouvé des matériaux dans la nature, sur les chantiers, dans les champs. On a trouvé des vieux outils, même quelquefois rouillés. Il s'est servi de tout ça. Et on a trouvé aussi des bidons qu'il a ouverts. Il a travaillé sur de la tôle comme ça, brute. Et aussi sur de vieilles toiles qu'il épinglait, du moins qu'il clouait plus exactement, sur la porte d'un garage. Et il travaillait dehors. L'ambition de Jean a toujours été de parvenir à faire une œuvre très dépersonnalisée. Totalement, c'est peut-être impossible, mais enfin, c'était son ambition. Aussi, un jour a-t-il décidé de lâcher les pinceaux, qu'il trouvait beaucoup trop soumis à l'impulsion individuelle, pour utiliser d'autres moyens et d'autres matériaux. Et à partir de là, il a travaillé d'une façon beaucoup plus artisanale. Vers 1970, nous nous installons à Gordes, c'est-à-dire que nous achetons un terrain qui séduisit Jean pour l'abondance des murs qui nous entouraient, qui étaient vraiment très beaux. Et il y avait juste la place d'y mettre une petite maison, pas plus. Seulement la longueur des murs, magnifique, et puis la présence des bories, c'était quelque chose de vraiment très, très fort. On s'est donc installé là. Et pas avec l'intention de travailler d'abord, simplement pour venir se reposer et jouir de la nature. Et au bout de peu de temps, naturellement, Jean a désiré travailler. Et nous avons acquis une petite maison voisine de la nôtre, où il a pu s'installer, faire un atelier. Pour aller de la maison à son atelier, il y avait un mur à passer. Nous ne nous sommes jamais résolus à briser la beauté du mur pour faire un passage. Si bien que Jean a installé une échelle, qui n'était d'ailleurs même pas une échelle, qui était une ancienne barrière, qui nous servait d'échelle pour passer au-dessus du mur. Et quand nous avons des gens de passage ici, Jean a imposé ce véritable passage acrobatique à tout le monde. Il fallait monter l'échelle d'un côté, redescendre par l'autre côté. Et c'était vraiment pas très civilisé comme manière d'être. Jean aimait particulièrement cette lumière, la présence du soleil, travailler dehors, comme toujours. La maison d'ailleurs étant minuscule, c'était presque indispensable. Alors on a créé une grande terrasse devant la petite maison, et on pouvait vraiment avoir là un espace où faire les grandes choses quand il en avait envie. Du moment qu'il n'y avait pas trop de vent, c'était l'essentiel. Il a donc travaillé là par période des séries de toiles, toujours
dans la les mêmes tonalités qu'il avait adoptées, je pense, une fois pour toutes, c'est-à-dire le blanc, le gris et le noir. Les derniers temps, il a fait des toiles dont la couleur était vraiment, à mon avis, très inspirée par la couleur ambiante, c'est-à-dire ce lointain du Luberon qui était toujours un peu bleuté. Son grand souci, c'était de révéler les matériaux les plus élémentaires, de même qu'il s'est intéressé au papier pour le montrer, dans son épaisseur, il l'a écorché pour le montrer. De la même façon, il a travaillé ses toiles pour en révéler la texture, et pour ses bois, ça a été un peu le même sorte de travail, c'était aussi pour révéler le bois, et non pas pour le cacher. Il a travaillé sur des madriers. Pour lui, c'était des bois peints, mais surtout pas des sculptures, malgré l'épaisseur et le volume de ces objets-là. Il en a fait toute une série, qui ont d'ailleurs été exposées ensemble à la Galerie de France. C'est à partir de ce séjour, dans ce site de plage immense et d'un horizon infini, que de Gotex a trouvé son expression par le signe. Il a commencé par peindre à l'encre de Chine sur de grands papiers les éléments de la nature qui étaient autour de lui, des chevaux, des vagues, des rochers. Et il a noté à propos de ses dessins « formes ouvertes ». Ça voulait dire que déjà son graphisme était totalement brisé et que l'espace pénétrait dans ses formes. C'est à cette époque que la notion vraiment d'espace, et même plus que cela de vide, a pénétré son œuvre et d'ailleurs ne l'a plus jamais quittée. Il y a une autre notion aussi qui a pour lui été très importante sur ces plages, c'était la notion d'énergie. Qui évidemment s'exprimait à travers le mouvement des vagues, le mouvement des marées, la violence de la mer. On allait sur ces grandes plages, il étalait ses papiers par terre, on les faisait tenir avec des galets aux quatre coins, et il travaillait comme ça par tous les temps. Et il avait même beaucoup d'intérêt à laisser passer les éléments sur ses papiers, que ce soit le sable, le vent, la pluie. Si bien qu'il a fait des aquarelles comme ça, où la nature a participé vraiment comme créateur. Pendant notre séjour en Bretagne, nous voyions constamment Charles Estienne, qui habitait pas très loin de nous, et qui avait là sa maison de famille. C'est d'ailleurs lui qui nous avait incités à venir travailler en Bretagne, et qui avait présenté Jean à André Breton, parce que André Breton avait cru, à l'époque, découvrir dans la peinture de Gotex une équivalence à l'écriture automatique surréaliste. Rien avant, rien après, tout en faisant, dit-il. Avec l'envie de tout exprimer, de tout dire, sans néanmoins saturer, paradoxalement. De tout exprimer dans le rien. Mais un rien fort d'émotion. Un rien riche de plénitude, un rien qui exprime l'envie, un rien qui exprime le désir également et non l'appauvrissement. La source de son travail n'est pas liée à la mémoire, mais à l'action. Qu'il s'agisse des feux noirs, des hagacours, des vides dont la gestualité se déploie le long de la toile, ou bien encore des écritures,
suite obscure, plus griffée, plus écrite donc. Arrachée, dirais-je, à la toile sombre, au fond de la toile toujours sombre, de Gottex exprime une énergie que sous-tend l'urgence de peindre. Car il y aura toujours chez de Gottex ce moment miraculeux, pourrait-on dire, de l'envie, du désir de peindre, de travailler, d'aller plus loin. Son énergie est toute contenue dans l'immanence du geste, dans la rapidité de l'action. D'ailleurs, si l'on observe bien l'œuvre de de Gottex, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais dans ce travail de bégaiement, d'hésitation. Tout est dit du premier coup, si je puis dire. Pour de Gottex, rien ne doit être esthétique. Et pourtant, si l'on songe aux œuvres de même nature, c'est-à-dire à Soulage, à Klein, Hartung peut-être, mais enfin c'est déjà un peu plus loin de lui, ou bien même Saitombly et Barnett Newman, on s'aperçoit qu'aucune autre œuvre que la sienne ne contient autant de grâce, d'élégance, ne dit autant de choses intimes, n'exprime autant d'affects que la sienne. L'exposition des médias a eu lieu en 1975 et en 1976, nous avons fait une très belle exposition qui s'appelait Papier plein, qui était des grands papiers, très beaux, arches, sur lesquels Jean clouait des baguettes encollées, assez minces, et il les arrachait. Et en fait, une partie du papier sortait et créait en fait l'image. Et c'était 18 papiers très grands, très beaux, qui ont été collés au mur simplement par de la colle et ni accrochés, ni épinglés, on ne voyait rien. C'était comme dans un atelier, c'était idéal. Et ce qui était magnifique, c'était éclairé uniquement par la lumière du jour. C'était une très grande pièce avec des grandes fenêtres. Et toute la journée, la lumière tournait sur les arrachages et formait des ombres différentes. Et ce qui était amusant, c'est que quelquefois, les gens montaient l'escalier, se retrouvaient dans cette pièce et redescendaient très vite en disant « Ah, mais il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'exposition. » Et d'autres, par contre, restaient très longtemps à regarder la lumière du soleil. Cette toile est dans l'œuvre une toile charnière. C'est une toile de 1972 et qui a été exposée, cette fameuse exposition Pompidou, et où il semble prendre son orientation vers cet effort de dépersonnalisation de la peinture. Il s'agit de déchirure. Les bords de la déchirure peuvent très bien être compris comme une écriture. Nous retrouvons l'écriture, mais qui serait cette fois-ci non plus une écriture expressive, mais l'écriture même de la matière. On parle de période chez les peintres, on parle de la période bleue ou de la période rouge chez Picasso, mais chez de Gottex, il ne s'agit pas de période, il s'agit d'étapes, n'est-ce pas? Et d'étapes qui vont, les étapes d'une sorte de chemin, d'itinéraire initiatique qui va le mener jusqu'au tableau de la fin, qui sont des tableaux d'un dépouillement entier, mais d'une richesse entière aussi, puisque dans cette œuvre, chaque étape intègre les acquis de l'étape antérieure, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire que chaque étape, chaque tableau s'enrichit en se simplifiant, se simplifie et s'enrichit, n'est-ce pas? Et nous arrivons au dernier tableau de sa vie, n'est-ce pas? Les tableaux de l'exposition de la Galerie de France en 88, où les lignes bois, par exemple, où on arrive à des situations d'épurement extrême et d'une richesse extrême en même temps. Ce sont des tableaux qui relèvent plus d'une sorte d'illumination que d'une esthétique. Il s'agit là donc d'un papier de la période des papiers pleins, une période de 75. Dans ces papiers arrachés, on retrouve le thème de l'écriture
sur le bord déchiqueté des arrachements, on retrouve le souci de l'envers des choses. Il s'agit de découvrement du papier. Tout cela reprend les thèmes antérieurs. Et le or, le souci de sortir du tableau, il s'agit là de fragments du monde. Les lignes pourraient continuer en haut, en bas, à droite, à gauche. Le tableau est immense. Un travail avec Jean de Gotteix, une exposition avec Jean de Gotteix, une manifestation, le prêt d'une œuvre, c'était toujours un long travail d'élaboration. Ça venait souvent même de Gordes. Il fallait que j'aille voir à Gordes, il m'expliquait le pan de mur sur lequel il avait fait cette grille color ou cette ligne bois, ou ce bois huppé, parce qu'il y avait des oiseaux avec une huppe qui s'étaient nichés dans le haut de l'atelier. Donc, c'est jamais une chose qui se faisait avec une fiche de prêt. C'était toujours un travail de très longue, je ne voudrais pas dire échange, parce que rien n'était verbal. C'était tout émotionnel, sensitif. Et au fond, le tableau était là, évident, mais il venait de très loin, vous voyez. Et ça a été, au fond, toute la gestation du travail qu'on a eu, des expositions qu'on a faites. Et sur, par exemple, après les reports très noirs, il y a eu toute cette série des oblicolores, les années 83-84, et est apparue cette couleur extraordinaire qui était ce gris-bleu. Et quand vous alliez chez lui, même quand parfois je voyais Jean, je voyais ce gris-bleu. Ce n'est pas du tout un peintre du noir et du blanc. C'est un peintre, le noir n'est jamais noir. La trame de la toile réapparaît. L'incision de l'outil marque une profondeur. Le gris n'est jamais gris, blanc et noir, il est gris bleu, gris rose, surtout ce gris rose qui marque tous les blancs de Jean souvent. Il faut essayer de ne jamais appliquer des catégories, en tout cas chromatiques, ni gestuelles, parce qu'au fond, les tableaux anciens des années 60, les signes métasignes, au fond, c'est le même geste absolu des derniers lignes bois.